La guerre ne meurt jamais. Tu vas les épater ce soir à la réunion des vétérans. Tu crois ? Évidemment. Maintenant, arrête de t'admirer et file te préparer. Bien. Bon, on veut partir sur Fallout. À mon tour, mon grand. Avec des choix différents. Vas-y, on va faire quoi ? Blond, brun, violet, tout va. Pas mal. Pas mal du tout. Vas-y, je fais un parcours rapide en vrai. Ma chérie, t'es aussi belle que le jour où je t'ai rencontrée. Pas critique. Voilà. Terminé. Bonjour, madame. Grognac le barbare dans la jungle des bébés vampires. Vous m'en dites... Merci, Codsworth. Bien sûr, madame. Bombe sucrée. 100% de l'apport quotidien en sucre. Oh, on trouvera jamais ce chien. Ah, t'as vu quand tu parles à la gamelle du chien, elle dit ouais, bah le chien mais il est plus là. Oh, je détecte une odeur suspecte. Je crois qu'il est temps de changer de petit jaune. On était un peu hésitant au début. Bah oui, en plus j'avais fait une nouvelle partie. J'espère que le café est à votre goût, madame. Je me demande à quoi Sean ressemblera plus tard. Oh, toujours plus de corvées. J'en redemande. Il faut vraiment faire développer ces photos de vacances. Encore surprenant. Je ne sais pas pourquoi il insiste comme ça. Bonjour, Société Voltec. Ne le prenez pas mal, mais cessez de nous importuner. Non, non, madame. Pas d'inquiétude. Je ne vends rien du tout. Pas au... Vous n'imaginez pas combien je suis heureux de pouvoir enfin vous parler. Ça fait des jours que j'essaie. C'est vraiment une question de vie ou de mort, croyez-moi. J'ai pas vraiment envie de vous parler. Oh, vous devriez, mais je sais que vous êtes occupé. Donc ça ne prendra pas beaucoup de temps. Le temps est... un bien précieux. Je crois, oui. Je suis venu vous annoncer qu'au nom du service que votre famille a rendu au pays, une place vous a été spécialement réservée dans l'abri du quartier. L'abri 111. Écoutez,
J'ai vraiment pas le temps, là. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça ne prendra qu'un instant. Je dois simplement vérifier certaines informations. Je dois m'assurer que vous aurez bien accès à l'abri en cas de... destruction atomique mondiale. Revenez un autre jour. Allez, Trésor. C'est juste un peu de paperasse. Laisse-le remplir ses formulaires, qu'on en finisse. Il faut te le dire en quelle langue? C'est bon. Je vais le faire. Fichue tête de mule. Très bien. Très bien. Alors, allons-y. Endurance. Ouais, on va mettre 4 points. Bon, endurance en vrai. Puis charisme. Non. Non. Vas-y, j'en sais rien. Ouais. Vas-y, je le panique à gueule, frère. Hop. Formidable. Je crois que c'est tout. Je n'ai plus qu'à ramener tout ça à l'abri. Félicitations, vous venez d'assurer votre avenir. Merci encore. Écoute, c'est pour être tranquille. Ça vaut bien quelques minutes de paperasse, non? Ce que je ferais pas pour Sean et toi. Bonne réponse. N'est-ce pas? Steak Salisbury en sel. Note A+. J'ai changé la couche de chaude, mais rien à faire pour le calmer. Je pense qu'il a besoin d'un câlin maman. Que vous semblez si bien maîtrisé. Vas-y, j'arrive dans une seconde pour t'aider, d'accord? Mon garçon, n'embête pas sa maman, n'est-ce pas? J'ai réparé le mobile au-dessus du berceau l'autre jour. Essaye-le, vas-y. C'est bien, mon fiston. Un vrai modèle, comme son père. Enfin, la plupart du temps. Dis, je pensais qu'on pourrait aller faire un tour au parc après le petit déjeuner. Le temps devrait se maintenir. Et pour faire quoi exactement? Madame? Monsieur? Je crois que vous devriez venir voir ça. Oh, j'en vois tout le monde chez moi, c'est drôle. Et maintenant, attendez, des éclairs. Genre la meuf. Des éclairs aveuglants. Un des bruits d'explosion. Nous essayons d'en savoir plus. On m'indique que nous avons perdu le contact avec nos autres studios. Des sources sûres nous confirment que... Oui. Oui, des explosions nucléaires sont confirmées à New York et en Pennsylvanie. Oh mon Dieu. C'est pas vrai. Faut qu'on aille à l'abri. Vite! Habitants de Sanctuary Hills, si vous êtes inscrits, rendez-vous. Laisse les valises. On n'a pas le temps. T'as les sous-titres, là, c'est quoi? C'est absurde. C'est moi, si vous Voltaire la liste, vous ne si pas. Je rentre, vous ne m'arrêterez pas. Laissez-nous entrer. On est sur la liste. Enfant, homme adulte, femme adulte. C'est bon. Allez. Merci. Bonne chance. Vous deux, suivez-moi. Allez. Aide. Qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui sont de l'autre côté de la barrière? On fait tout ce qu'on peut. Allez, dépêchez-vous. Montez sur la plateforme. Mettez-vous au milieu. Pas but. Montez sur la plateforme. Allez-y. C'est bon, on descend. Ça va bien? Il va bien. Ça va aller. Je t'aime. On peut pas aller plus vite. Aide-moi. Tu m'avais pas dit qu'on peut rejoindre les enfants de la tombe, je crois pas là.
tu m'avais pas dit qu'on peut rejoindre les enfants d'Atom. Mais comment ça je veux. Tu m'entends non? Tu m'avais pas dit qu'on peut rejoindre les enfants d'Atom. On a réussi. On y est. Les enfants de l'Atom. Enfants Atom. Inutile de s'alarmer. Okay. Vous allez tous intégrer vos nouveaux logements. Bienvenue dans l'abri 111. Un avenir meilleur sous terre. Donc là, on doit... Montez l'escalier, prêt. Je n'arrive pas. Vortech est à votre service. Merci. N'y pensez plus tous. Sécurité. Forme. Approchez-vous de la table. Prenez une combinaison. Il faut une combinaison pour accéder au reste de l'abri. Et maintenant ? Suivez le médecin. Il vous montrera où. Bon, vous trois, suivez-moi. On a tout perdu. Notre maison, voilà. Tout ce qu'on avait. Mes parents étaient à vous. Oh, non. C'est bien ici. C'est l'un de nos complexes les plus modernes. Cela dit, les autres ne sont pas mal non plus. On vous expliquera ce que la combinaison de la sur la liste. Mais d'abord, on va confortable que je. On est paré pour l'avenir, pas vrai? Monsieur Galan. Il est vivant, lui, non? Vous avez une pardon. Vie adorable. On a eu de la chance. Que vous pas comme tout le monde. À votre nouvelle maison. Ça va aller. Maman est là. Alors, fiston. Je vais pas loin. Je serai juste là. La voilà, tu vois. Avant de pouvoir aller plus loin, vous devez être décontaminé et dépressurisé. C'est une nouvelle vie qui commence. Résident sécurisé. Fonction vitale de l'occupant, normale. Procédure terminée. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Oh, comment il est mort. C'est une bonne dans la tête. Ah, il s'est fait bonne shot. Oh la merde. Ça c'est de moi je suis effectué avec moi qui a survécu. C'est qui ça? Ah. Oh.
Oh là là, je peux pas sauvegarder parce que j'ai trop de données. Non mais t'es sérieux là. Ah mais le jeu du... Oh là là, ça m'énerve déjà quoi. Oh, je peux regarder. Station cryogénique. Tous les résidents de l'abri doivent évacuer immédiatement. Dysfonctionnement de l'ouverture d'urgence de la porte de sortie. Des cafards géants? C'est quoi ce bordel? Oh, j'ai tout de même un point dans le cœur, la nuit. Oh, comment j'ai rush? N'importe quoi. Séquence d'ouverture de la porte de l'abri initialisée. Veuillez reculer. Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont tous les autres? C'est tout ce qu'il reste?
éclairage. Ouais. Oh, ça fait bizarre de revenir là. Vas-y, je rejoins. Faut que ça ferme. Ah, mais j'ai déjà une quête. Oh, du temps. Ah ben oui, j'avais mes trucs. Mais alors, d'autres ont peut-être survécu eux aussi. Évidemment que je suis toujours là. Vous ne pensiez tout de même pas qu'un peu de radioactivité suffirait pour se débarrasser de la fierté de General Atomics International, si ? Mais vous n'avez pas l'air en grande forme. Mieux vaut que votre époux ne vous voie pas dans cet état. Où est-il d'ailleurs ? Il ne peut pas être mort. C'est pas possible. C'est un mauvais rêve. Un cauchemar. Madame, ces choses que vous dites, ces choses affreuses, je crois que vous avez besoin d'une distraction. Oui, une distraction pour lutter contre cette déprime. Cela fait une éternité que nous n'avons pas pratiqué d'activité familiale. Nous pourrions peut-être jouer aux dames, ou pourquoi pas aux charades. Sean adore ce jeu. Est-il avec vous ? J'y comprends rien. Qui aurait pu vouloir enlever mon bébé ? Ça n'a aucun sens. C'est encore pire que ce que je pensais. Vous souffrez de paranoïa qui est sûrement due à la faim. C'est le genre de choses qui arrive quand on ne mange pas pendant 200 ans. J'en ai peur. Non. Non, c'est impossible. J'ai pas pu rester dans cette capsule aussi longtemps. Pas 200 ans. Un peu plus de 210 ans, en fait, madame. Attends, je regarde. Plus ou moins quelques minutes, en raison de la rotation de la Terre et d'un léger souci de précision de mon vieux chronomètre. Cela signifie que vous avez deux bons siècles de retard pour le dîner. Souhaitez-vous que je vous prépare une petite collation ?
Vous devez avoir faim. Non. Codsworth, tu as un comportement un peu... étrange. Qu'est-ce qui ne va pas? Je... Oh, madame, c'était affreux. Deux siècles entiers sans personne à qui parler, ni personne à servir. J'ai passé les 10 premières années à essayer de cirer les sols, mais rien ne permet de ravoir les planchers quand ils ont subi des retombées atomiques. Rien. Et je ne vous parle pas de la futilité de faire les poussières dans une maison qui s'est effondrée. Reste avec moi, mon vieux. J'ai bien peur de ne rien savoir du tout, madame. Les bombes sont tombées et vous êtes tous partis. J'ai retrouvé cette holobande. Je pense que monsieur souhaitait vous... Merci, Codsworth. Bon, je me suis suffisamment habillé. Souhaitez-vous que nous inspections le quartier ensemble? Peut-être. D'accord. Je suis fier de vous... Qu'est-ce que c'est que... Ouh, qui est là? Il n'y a rien d'autre ici que quelques mouches. Attendez. Mes capteurs détectent du mouvement dans une autre maison. Suivez-moi. Hey, Codsworth. Monsieur et le jeune Sean, ils ne sont pas là. Merci de tes efforts, Codsworth. Vous ne pouvez pas abandonner, madame. Pourquoi ne pas essayer la vie? Merci de ton aide, Codsworth. Bonne chance, madame. Vous retrouvez. Je vais rester ici afin de protéger notre foyer. Allez, inspecte les concordes. Salut, toi. Qu'est-ce que tu fais là tout seul? Tu veux m'accompagner, bonhomme? D'accord. On va faire un bout de route ensemble. Thank you.
pourquoi tu meurs pas toi? J'ai un groupe de colons à l'intérieur et les pillards ont presque réussi à franchir la porte. Je vous en prie. Prenez ce mousquet laser et aidez-nous. C'est le mousquet, c'est le... Ah ouais? Non, moi j'aime pas du tout. Seulement j'avais une épingle à cheveux. Le verrou tient bon. Ça commence bien quand même. Ah, c'est marrant comme au début quand genre tu mets tout dans la force et tu peux tuer one shot tout le monde.
sais pas qui vous êtes, mais vous tombez à pic. Preston Garvey, des miliciens du Commonwealth. Vous avez une dette envers moi. Ouais, bien sûr. Je vous donnerai mon coffre plein d'émeraudes quand on sera tous sortis de ce merdier. Peut-être. J'ai mes propres problèmes, non. Garvey. Ah oui ? Comme quoi ? Si vous nous aidez, peut-être qu'on pourra vous donner un coup de main, nous aussi. Ça me regarde. D'accord. Faites comme si je n'avais rien demandé. Mais on a toujours besoin de votre aide. Il y a un mois, on était 20. Hier, 8. Et maintenant, plus que 5. D'abord, il y a eu les ghouls à Lexington. J'ai envoyé chez Preston, il est en train de raconter sa life. Pas de bol. Peut-être. Et vous n'en savez pas la moitié. Non. Bref, on pensait pouvoir s'installer à Concorde. Mais ces pillards nous ont prouvé le contraire. Mais on a encore une idée. Une bonne idée peut faire toute la différence. Sturgess, expliquez-lui. Ah, il y a un vertiptère qui s'est écrasé sur le toit. Un vieux modèle qui date d'avant la guerre. Vous l'avez peut-être aperçu. Apparemment, un de ses passagers a laissé un truc pas piqué des hannetons. Je parle d'une authentique armure assistée T-45, modèle militaire. C'est de la folie. Laissez-moi finir. D'accord ? Avec l'armure, vous aurez la force d'arracher le minigun du vertiptère. Et là, du coup, pour les pillards, c'est un aller simple pour l'enfer. Vous pigez ? C'est une mission suicide. Écoutez, mademoiselle, je sais pas de quelle grotte vous sortez et je m'en fous. Mais faudrait un peu vous réveiller et comprendre que ça sent le brûler, là. Parce que sinon, on est tous morts. Alors voilà ce que je vous propose. L'armure est à sec. Ses batteries sont sans doute vides depuis un bon siècle. On peut la recharger, mais dans notre situation... C'est non. Je me tire. C'est ça, votre réponse. Après tout ce que vous avez fait, vous condamnez ces pauvres gens à la mort d'un revers de main ? Bon, comme vous voudrez. Faites attention à vous. Comme ça, peut-être... Voyez un peu ce que Canigou nous ramène. Canigou. Méfiez-vous. Quelque chose approche. Je perçois... une grande colère. Ah, Canigou, en fait, hésite avec eux. D'accord. C'est bon. Merde, c'est bon. Ah mais tu peux pas aller, tu en fais de Preston.
Ouais, je l'ai tiré dessus, mais en fait, j'ai réussi à le tuer, mais en fait, il revient à la vie, puis il me tire dessus. Ouais, c'est con. Là, t'es obligé de faire l'histoire quand même avec lui, quoi. Seulement j'avais une épingle à cheveux. Ça n'a pas l'air de se crocheter. Bien. Oh, c'est bugué. Oh là là. C'est tout? Vous allez partir sans vous retourner? Méfiez-vous. Quelque Pardon. Chose. Je vous en prie, vous devez m'écouter. Je perçois. Non. Vous avez une dette. Ouais. J'ai mes propres problèmes. Colère. Ah oui. Ça me regarde. D'accord. Il y a. On vit dans un monde cruel. Ah. Les miliciens. Non, c'est pas ça. Il y a un vertiptère qui s'est écrasé sur le toit. Un vieux modèle qui date d'avant la guerre. C'est de la folie. Laissez. Un minigun. On peut là. C'est non. Je me tire. C'est ça. J'avais promis qu'on y arriverait. Ouais. J'avais promis. J'avais promis qu'on y arriverait, mais j'ai plus de la Suisse. Personnel. Michael Daly, sergent-chef de l'armée de terre des États-Unis d'Amérique. Samedi dernier, le 23 octobre, alors que nous étions en route vers Stockbridge West, notre vertiptère s'est écrasé sur le toit de ce musée. La cause de notre crash, une IEM consécutive à une explosion atomique. Plusieurs, en fait. D'après les infos que j'ai pu suivantes, Flaherty et Kanawa ont été abattus par des survivants paniqués. Et puis Prosnansky s'est enfui. Je ne l'ai pas revu depuis. Aujourd'hui, c'est à mon tour de déserter. Si tant est que ce terme veuille encore dire quelque chose. Le réacteur à fusion de mon armure a grillé, donc on dirait que ma carrière de soldat est terminée. Je vais aller à Boston, à pied, pour voir si ma sœur a survécu à tout ça. Elle a un appartement sur Boyson Street.
C'était Mike Daly. Bonne chance à tous. Et Dieu bénisse l'Amérique. Où ce qu'il en reste. Et Dieu bénisse l'Amérique. Hein. Et les pères fondateurs. Les lasers vous font des gars. Et Corvigo c'est l'usine ça. Ah ouais, venez-moi. Suivez-moi dans mon boudoir. Détruire mon chien. Maman, vous allez bien? Ça va, maître. Arrêtez de vous inquiéter pour rien. C'était vraiment impressionnant. Je suis content que vous soyez de notre côté. Arrêtez de vous faire des idées. Vous ne représentez rien pour moi. Vous savez, vous avez un sale caractère. Mais vous nous avez tout de même aidés. Écoutez, quand on s'est rencontrés, vous m'avez dit qu'on avait une dette envers vous parce que vous nous aviez aidés. Alors tenez. Vous l'avez bien mérité. Ce n'est pas un coffre plein d'émeraudes, mais j'espère que ça suffira. J'ai pas fait ça pour l'argent. Hé, hey, désolé. Je suis habitué aux gens qui ne voient que leur propre intérêt. Vous savez, vous me rappelez mes amis. Les autres miliciens, je veux dire. Qui ont donné leur vie pour un idéal qu'ils considéraient comme plus important que leur propre existence. Vous devriez nous accompagner jusqu'à Sanctuary. On pourra avoir besoin de votre aide. J'ai mes propres problèmes à régler. C'est le moins qu'on puisse dire. Car j'ai vu votre destinée. Et le trou dans votre cœur. Épargnez-moi ces inepties sur la destinée.
Vous venez d'affronter un lézard irradié de 6 mètres de haut, et vous voudriez me faire croire que vous êtes incapable de la moindre ouverture d'esprit? C'est bon, Preston. Tout le monde n'est pas capable de comprendre la vision. Mais je ne vous demande pas d'y croire. Juste de m'écouter. Vous êtes une femme hors du temps. Vous n'avez plus d'espoir, mais tout n'est pas encore perdu. Je sens l'énergie de votre fils. Il est toujours vivant. N'importe quoi. Vous vous foutez de moi. Non, pas du tout. La vision est parfois embrumée, mais elle ne ment jamais. Votre fils est là, quelque part. Et je n'ai pas besoin de la vision pour vous dire où vous devriez commencer à chercher. Le beau diamant vert du Commonwealth. Diamond City. La plus grande ville à la ronde. Vous ne m'avez rien appris. Tout ça, ce ne sont que des suppositions. Écoutez, je suis fatiguée. Si vous m'apportez des drogues plus tard, peut-être que la vision me donnera une idée plus claire de la chose. Non. On en a déjà parlé, Mama Murphy. Ces saloperies finiront par vous tuer. Oh, ça suffit, Preston. Il faut bien mourir un jour, de toute façon. On a besoin de la vision et notre nouvelle amie aussi. Et maintenant, en route. Sanctuary nous attend. Bon. Grâce à notre camarade, on va pouvoir reprendre la route. On va aller à l'endroit que Mama Murphy connaît. Sanctuary. Ce n'est pas très loin. L'endroit qu'elle connaît? Vous voulez dire qu'elle l'a vue quand elle était complètement défoncée, oui? Et maintenant, vous voulez qu'on recommence à tourner en rond sans savoir où on va juste parce que Mama Murphy l'a vue? De toute façon, ça ne peut pas être pire que... Pas la peine de s'énerver. On est tous dans le même bateau, pas vrai? Alors, Marcy, vous avez une meilleure idée sur ce qu'il faudrait faire maintenant? Quelqu'un d'autre? Dans ce cas, adjugé pour Sanctuary. Espérons juste que ce sera véritablement un sanctuaire pour nous. Bien, June, il est temps d'y aller. Oh, d'accord. Direction Diamond City. Alors c'est quoi votre histoire? Vous êtes... Bien. Voyons ce que vous avez là. Oh, j'ai un peu de tout. Carla. Il vous faut quelque chose? La route est longue à partir d'ici. Pas aujourd'hui, merci. Une prochaine fois. Un marché, Trudy. Envoie la marchandise, déconne pas. Je donnerai rien à des empoisonneurs de votre espèce. Vous savez ce que cette saloperie a fait à mon garçon? C'est lui qui l'a acheté, Trudy. C'est pas notre faute s'il est devenu accro. Me force pas à entrer là-dedans et bousiller ton petit magasin de merde. Oh là là, on se calme, l'armoire à glace. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Vous semblez avoir des problèmes, je peux vous aider? Nous aider?
Vous êtes quoi? Un genre de mercenaire? Remarquez, si vous arrivez à raisonner Trudy, je dis pas non. Si je vous aide, j'espère que vous me paierez. Je suis pas là pour jouer les marchands de tapis. Vous aurez ce que je vous donne, et c'est tout. Alors? Si je vous aide, j'espère que vous me paierez. C'est ça. Parlez à Trudy. Pardon. Je vous ai vu parler à cette espèce d'empoisonneur. Je ne le paierai pas. Point. Vous ne traitez plus avec Wolfgang, mais avec moi. Maintenant, donnez-moi cet argent avant que je me fâche. Ah, c'est comme ça, hein? Vous allez le regretter. Grosse erreur. Maman! Dommage pour Trudy, mais l'avantage, c'est qu'on a de nouveaux locaux pour notre petite affaire de dope. Tenez, c'est pour vous. Alors, qu'est-ce que ce sera? D'accord, je vais jeter un coup d'œil. N'oubliez pas, à consommer avec modération. Bon, on va s'arrêter là pour cette nouvelle partie.